Thank you.
Et fais attention, t'as deux exos ce midi et je t'envoie deux ce soir ou plus si j'ai le temps. Ok, Takala, t'inquiète pas. Je te corrigerai du coup certainement demain, mais il n'y a pas de souci. Fais tout ce que tu as à faire et moi demain, j'aurai le temps. Demain, je donne cours. Je donne cours demain. Mais je trouverai toujours un moment pour vous corriger, évidemment. Coucou Marie, coucou tout le monde. Alors, je dis pas le pseudo à chaque fois de tout le monde, hein. Je fais quand je vois pop, hein, mais coucou à tout le monde, vraiment tout le monde, tout le monde. Même ceux qui sont pas là, coucou. Alors, aujourd'hui, on est sur un cours de Candy. Candy, évidemment. Je vais préparer le PDF. C'est le Discord dans ton cerveau. C'est la Discord dans mon cerveau. Exactement. Ouais. Et demain, on a cours d'exercice par rapport à la leçon que l'on a fait lundi de grammaire. Coucou Yankitai. Kambawa. Kakawette. C'est ça. Je suis pas en retard. Non, tu n'es pas en retard, c'est bien. Les exercices. Est-ce que je fais bien comme les chats avec des oreilles? Comme ça. Bah, il fait quand même. Comme ça. Un peu penché. C'est moi. J'ai servi de modèle. Incroyable la tête, mais je sais, toutes mes têtes sont incroyables. Et encore, vous avez pas vu, tout à l'heure j'en ai fait une au fantôme en mode vénère. Quoi ça, quand je suis vénère, je suis un petit papy. Incroyable, incredible. Assez me prendre. Ah, merci les gens, merci. Non. Ça, je sais pas encore faire, je me suis pas assez entraînée. Oh là là. Eh, vous êtes chaud patate, hein. Ça, c'est cool. Alors, attendez, je vais sortir ma tablette comme d'habitude. J'ai jeté le chat, mais genre sans respect. Le respect? Le respect? On communique dans le respect. Ouf. On la sent la fatigue ou ça passe quand même? Sur 20, notez la fatigue apparente. Oh putain. Alors. Je vais mettre le diapo. Oui, tadam. 14 sur 20. 16. Ah oui, donc ouais, ça se... Elle se ressent bien, la fatigue. Ma fatigue, 22 sur 20. Idril me bat largement, donc c'est bon. Je ne peux pas me plaindre. Voilà. Over 9000. Le pire, c'est qu'il y a un peu de vrai dans tout ça. Bon, sinon, en attendant que tout le monde, le peuple arrive, que je vous explique les nouvelles choses sur le Discord. Voilà, le Discord, il a encore pas mal évolué. Du coup, il faut que je vous dise un peu ce que j'ai fait et potentiellement, ça vous donnera peut-être envie de venir et de participer à tout ça. Il y a des nouvelles catégories qui ont pop. Donc pour ceux qui ont sub déjà, je vais commencer par ça. Je suis en pleine restructuration de la catégorie sub et VIP. Vous qui donnez de l'argent pour soutenir ce que je fais. Je suis en train de comment dire, réorganiser tout ça pour faire en sorte que dès qu'une personne sub à la chaîne et doit rattraper tous les cours qui ont eu lieu avant, parce qu'il commence à en avoir pas mal, et ça va que... augmenter, la personne s'y retrouve clairement. Donc il y a une catégorie pour les 6 cours hiragana, les 6 cours de katakana, les kanji, grammaire, exercice. Et à chaque fois, donc il y aura des petites explications, des exercices, les liens pour voir la rediff sur YouTube et autres sites qui vous sera utile peut-être pour faire les exercices, donc le dictionnaire et tout, avec tous les diapos que j'utilise et que je vous donne pour faire des exercices. Pour ceux qui le sont déjà, mettez une note sur les nouveaux salons sub et VIP sur 20. Donnez envie aux gens. Je sors d'une heure de torture, kiné, j'ai une bonne raison. Mon Idril, nadé. La douleur peut être une source de plaisir. Oulala, il se passe des choses. J'ai une liste de plus de 45 PDF de cours, donc je confirme, ben, Zazel. Mais c'est grâce à toi que tout ça a été enclenché. C'est en voyant le bordel que c'était, si je puis me permettre, vu que c'est ce que je fais et donc ça me va. Il fallait que je réorganise tout ça. Un boulot sans rire, c'est impressionnant. T'es sillonné. 20 sur 20, c'est parfait. Beaucoup trop gentil, Camille. Over 8000. Oh, merci beaucoup.
Oh, punaise. Certes, mais là, franchement, aucun plaisir. Ah, bon, bah, ça va, si je sers à quelque chose. Vous servez tous à quelque chose, évidemment. Donc voilà, ça, c'est une des choses que je suis en train de faire. J'ai fait tous les hiragana, tous les katakana. Je pense que ce soir, les kanji seront finis. Et demain et les derniers jours de la semaine, je me chargerai de faire ça pour tous les cours de grammaire et tous les cours d'exercice, que ça soit assez clair et organisé comme je l'aime. Et que ça soit utile pour tous ceux qui soutiennent la chaîne par de petits subs, voilà. Soyons clairs. Donc ça, c'est la première chose qui a changé sur le Discord. La deuxième, c'est pour tout le monde, qu'on soit sub ou pas, ça ne change rien. Avec les modos, on a mis en place des quêtes hebdomadaires, donc des quêtes à faire chaque semaine qui permettront, pour ceux qui sont actifs et tout, et qui réussissent à faire les petites quêtes, de recevoir des badges en fonction du nombre de quêtes qu'ils ont fait. Donc ça, je vous laisserai découvrir si vous êtes sur le Discord dans la catégorie quêtes. Hein, pour ceux qui veulent participer, il faut juste cliquer sur le petit émote, hop, et vous aurez le rôle avec des petits salons supplémentaires et des quêtes. Exactement. Et la dernière nouveauté, c'est les invitations. Donc là, pareil, avec les modos, on s'est dit que ceux qui rendaient le serveur actif, on aimerait les mettre en avant sur le serveur avec toujours cette fonctionnalité de petit badge. C'est-à-dire qu'il y a un système maintenant où si vous invitez des gens, et donc sur le Discord tout est expliqué, et des amis à vous qui potentiellement veulent apprendre le japonais ou qui aiment le Japon, vous aurez des récompenses, des rôles spécifiques et des badges qui vont avec chaque palier et tout. Pour l'instant, on a mis 5 de paliers parce qu'on s'est dit déjà le 5e pour l'avoir, ça va être un peu chaud. Mais s'il y en a qui sont des terres, on remettra des paliers et tout. Je réfléchirai même actuellement par rapport à la chaîne Twitch à faire des genres de concours au mois, c'est-à-dire que j'aimerais bien vous faire gagner peut-être un manuel ou un marque-page ou des petits goodies comme ça ou des cartes cadeaux ou je ne sais pas, mais qui sont faits pour apprendre le japonais, genre vraiment dans l'objectif apprentissage du japonais, par exemple un manuel, je vous achète un manuel, un par mois pour ceux qui sont sur la chaîne. Je sais pas comment je vais mettre ça en place, mais j'y réfléchis de plus en plus parce que vous m'apportez tellement de choses que je me dis que j'aimerais bien vous rendre l'appareil. Et donc le Discord c'est aussi pour ça, c'est voilà, il y a plein de trucs. Voilà, ça va, j'ai bien fait la commode le temps que tout le monde arrive. Moi j'attends la quête pour chasser le dragon. Eh Mayu, un jour je vais cacher un dragon sur le Discord et vous allez devoir vraiment le refaire. Oh merci Kaitou pour le resub. Arigato. Je vais des clap 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 dans le chat. Clap 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 pour Kaitou. Clap 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 dans le chat. Oh mon dieu, j'avais pas vu, il y a même le lien de la rediff sur YouTube pour chaque PDF, je pleure de joie. Oui, Azazel, je me suis dit, je mets tout sur YouTube, donc au moins les personnes qui auront sub, elles auront même plus à chercher, juste elles ont la catégorie, le numéro du cours, la rediff, tous les PDF, toutes les infos, des exercices, et comme ça elles sont tranquilles, juste elles vont être sur le Discord et ça c'est tranquille. Ça me prend du coup beaucoup de temps, mais j'espère vraiment que ça vous fera plaisir et que ça vous sera utile pour améliorer vos révisions. Du coup, c'est normal que l'on voit plus la section VIP. Alors, Yang Kitai, tu fais partie des personnes qui n'ont pas associé leur Discord à Twitch. Donc, dans les annonces, il y a une annonce qui parle de ça. Mais en gros, tu dois aller dans tes paramètres d'utilisateur, aller dans connexion et cliquer sur Twitch. Et une fois que tu auras affilié ton compte, enfin, tu auras connecté Discord à Twitch, tu auras le rôle sub et tu auras du coup toutes les catégories. C'est une petite manip à faire, mais c'est dans tes paramètres, tu sais, il y a ton pseudo en bas de Discord avec une petite molette, tu cliques dessus, paramètres et connexion et après Twitch, tu cliques sur Twitch et ça se fait automatiquement. Merci encore Kaitou pour le resub, c'est trop gentil. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue du coup à OkiWave. Je ne sais pas si tu es encore là, tu as follow pendant les 10 minutes d'attente, mais merci à toi pour ton follow. Hello Olé, Saeko89, Varadi, Aileen Loki, et Popsy, et Kanibatata, et beaucoup de gens, et je crois Ninrash et Agathe, qui ont follow pendant que je n'étais pas en live. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup tout le monde, c'est trop gentil. Clap 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 pour les followers et clap 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 pour le sub de Kaitou. Coucou tout le monde, coucou Ishtaris, comment tu vas? Alors du coup, Talala, oui, tous les PDF sont sur le Discord. Et donc si...
Aoki qui est resté parmi nous, merci à toi, comment tu vas? Alors question habituelle pour tous les nouveaux de la chaîne, comment ça va? D'où vous venez et comment vous avez trouvé la chaîne justement? On approche les 1400, oui! Saut dessiné, et qui dit 1400 dit live traduction. Merci éponyme, c'est gentil. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Là, on a bien blablaté déjà. Bon, vous savez tout sur le Discord. Clairement, maintenant, je vous ai tout dit, vous êtes au courant. Du coup, que je fasse pas de bêtises. Que je fasse pas de bêtises. On va, comme d'habitude, commencer par tester les connaissances que vous avez par rapport à la semaine dernière. Les kanji qui ont été vus la semaine dernière. Et donc, le premier exercice, c'est un exercice de lecture. Donc au total, on va avoir 4 exercices encore une fois, qui seront tous notés sur 5 et qui vous donnera à la fin une note sur 20, ce qui reflètera normalement plus ou moins si vous arrivez à, si vous avez retenu le vocabulaire, les lectures, l'écriture, etc., etc. Donc là, je vous laisse prendre le temps qu'il vous faut pour essayer de trouver les lectures. Quand vous avez fini, comme d'habitude, vous me le dites dans le chat et je vous laisse un bon 5 minutes, au moins 5 minutes. Alors ça va, je viens de Lyon et j'ai connu via Insta. Oh d'accord, et eh bien écoute, bienvenue à toi, j'espère que tu trouveras une petite place dans cette grande classe, salle de classe. Et puis si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Hein. Imagine, tu commences un live sans moi. Bah oui, c'est possible. Hein. Super, je vois. Bon, s'il y a des soucis, vous m'envoyez un MP et on rend... Mayeux a fait un super tuto, je vous le renverrai en message privé. Il nous en faudra pour embêter Sensei, mais là... Je me pose la question de comment fournir la preuve pour les quêtes qui ont une petite chaîne. Je vais prendre mon écran en photo, je pense. Oui, c'est ça. En général, vous pouvez screen. Donc là, par exemple, l'une des quêtes à faire sur le Discord, c'est de participer au live. Et d'en participer, je veux dire, venir assister à un cours. Donc, vous prenez en photo le chat, vous prenez un screen ou ce que vous voulez, et vous le mettez dans le petit salon quête. Avec juste en me disant, bah voilà, j'ai fait telle quête. Comme ça, vous aurez une quête de valider pour la semaine. Sachant que, exceptionnellement, vu que les quêtes ont été lancées à la, comment dire, à la mi-semaine, elle se fera, enfin, la première session se fera jusqu'à dimanche prochain. Ça durera une semaine et demie, juste pour la première fois, du coup. Comme ça, ça laissera un peu tout le monde aussi voir comment... prendre les choses en main pour ceux qui veulent participer et tout et tout et tout. Je me pose la... Non, ça c'est bon. Coucou Janel, comment tu vas? Coucou Lard. La République, c'est moi. D'accord. Ah bah là, Azazel, c'est... Comment dire? Cours de niveau 2. Enfin, c'est le... Pas de niveau 2. C'est le deuxième cours de Kanji. Donc, si tu les as pas révisés, c'est normal. Mais t'inquiète pas, l'exercice 3, exercice 4, il y a des chiffres. Il y a les chiffres encore. Donc, si tu les sais, tu pourras peut-être t'en sortir. Ah, Saïma a fini. Ah, t'inquiète pas, Noël. Il faut pratiquer. Un peu tous les jours. Au moins 15 minutes. Et petit à petit, ça rentre. Ah! Muzukashi des. Son dessiné. Sur Odeska plutôt. De tête, pas de stylo. Lul. Lul. Ah, Jane et Ezrum. Bonne popote à toi. J'ai pas assez révisé a priori. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors du coup, Kaito, si, c'est le troisième cours aujourd'hui, mais là, on fait un test pour vérifier les connaissances, du coup, de la semaine dernière. J'ai les traductions, mais pas toutes les lectures. Bon, c'est déjà ça, du coup, à Kayoli. je me serais trompée. Je sais que j'avais dû l'inverser, parce que, justement, je m'étais trompée. Mais du coup, est-ce que j'ai oublié de le faire? Attends.
Ah oui, ouais, c'est l'inverse. Et je pense que dans la correction, je l'ai corrigé parce que je sais que je l'ai corrigé. So desu ne, so desu ne. Ancien, c'est normal. Il faut que tu, pour ce cours-là, il faut que tu aies suivi le cours de Candy de la semaine dernière. C'est bien du coup, HU, si t'en as quand même compris quelques-uns. Bon, du coup, ça va faire 5 minutes. Est-ce que je peux mettre la correction? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oh, je suis perdue. Il va falloir que j'apprenne à utiliser Twitch et Discord. Ah oui, Patricia. Alors, pour Twitch, c'est assez simple, hein. Dès que je suis en live, tu as une notif normalement. Et c'est tous les lundis, mercredis et jeudi à 18h30. Donc à 18h30, tu peux te pointer sur la chaîne, tu sais qu'il y aura cours normalement. Et sur le Discord, ça c'est un peu plus compliqué, mais j'ai proposé à Nolwenn, qui est venue en vocal tout à l'heure, que si vous aviez besoin d'une petite visite guidée, il n'y avait pas de souci, vous pouvez m'envoyer un MP et je m'en chargerai sans problème. Mais écoute, ancien, c'est toi qui vas. Tu peux. Et après, on va apprendre les kanji, hein. Après, on va apprendre des 10 kanji, hein, comme d'habitude chaque semaine. Mais pour l'instant, du coup, on révise ce qui a été vu la semaine dernière. Et ne vous inquiétez pas, j'ai fait un sondage sur le Discord pour savoir tous les combien de cours je devais faire un gros récap général. Et de moyenne, c'était tous les 3 cours. Donc la semaine prochaine, on fera un récap du cours 1, 2 et 3 avec des exercices, avec on va revoir les kanji dans sa globalité, le vocabulaire, etc., etc. Donc vous inquiétez pas. Ah, arigato mayo. Ah, vous êtes gentil, tout le monde, merci Azazel. T'inquiète pas, ancien, ça peut se rattraper. Taijoubu. Si tu as un peu de temps, tous les jours, tu arriveras vite à rattraper normalement. Surtout si tu avais compris de base. Bon, du coup, je vous montre la réponse, enfin, les lectures. Kotoshi wa Nihon ni ryoko shitai desu. Ça veut dire quoi, ça, les gens? Kotoshi wa Nihon ni Ryoko Shitaides. Et t'as vu Pure Noob, je l'avais vu en correction et je l'ai juste pas changé sur. Ah zut. Faut que je rajoute dans les quêtes trouver une faute de la prof avant qu'elle ne la trouve. Vraiment, dans 2 semaines là, je vous la mets comme quête. Et c'est seulement la première personne qui validera la quête avec un screen. Oui, c'est ça. Kotoshiwa Nihoni Ryoko Shitai desu. Cette année, je veux voyager au Japon. Je veux aller au Japon. So desu. Deuxième phrase. Ano hito wa jōzu desu ka? Heta desu ka? Jōzu et heta. Adjectif en na. Du coup, je peux venir tous les 3 cours? Lord, tu vas galérer à apprendre 30 kanji en une semaine. Crois-moi, je n'ai pas été. Oui, voilà, en fait, c'est d'abord Shidali et après Miki. Et il y a une faute de ma part, je suis désolée, dès le début, je pensais avoir fait toutes les corrections. Et évidemment, non. Sinon, ça veut dire que c'est pas moi qui ai fait le diapo. Je vous le répète. Donc, Ano hito wa jōzu desu ka? Heta desu ka? Ça veut dire, est-ce que cette personne est douée? Est-ce qu'elle n'est pas douée? Jōzu, adjectif en a qui veut dire être habile, hein, être doué. Et l'inverse de jōzu, c'est heta, être, ne pas être doué. Heta desu. Alors pour la troisième phrase, Sayu, oh, mite kudasai. Il n'y a pas de petite sou. Oh non, j'ai fait des fautes comme ça vraiment. Alors attendez, on corrige ça parce que ça vraiment c'est une grosse. Et je l'ai vu avant vous. Les gens, je suis désolée. Le petit sou, vous le retirez, hein. Il n'existe pas, évidemment. Ah, t'inquiète pas, Lord. Mais c'est pour ça qu'il y aura les séances de révision. Est-ce que je peux faire un truc pour le cacher? Apparemment, non. Modifier.
Ah putain, je peux faire ça. Est-ce que je peux juste sélectionner? Bon, on va, je le referai plus tard. Voilà, mite kudasai. Et je le corrigerai quand je remettrai le diapo pour les subs. Mais il n'y a pas de petite soin. Mite kudasai. Ce qui veut dire, du coup, regardez à droite et à gauche, s'il vous plaît. Enfin, par exemple, si on traverse la route, hein. Sayu, mite kudasai. Michito, ah non. Mikito, hitari, o, mite kudasai. La quatrième, kyo wa, shichigatsu. J'ai fait une faute encore. Itsuka des. Itsuka des. Ah, les gens, punaise. Et je m'en veux. Ça commence vraiment mal. C'est quoi? Je vais revenir. Je vais refaire le diapo. Attendez. C'est pas possible. Mais le sort s'acharne contre moi. Vraiment. Itsuka. So, est-ce que aujourd'hui, on est le 5 juillet? Kyoa! Shichigatsu itsuka desu ka? C'est pas grave, Idril. Coup de blanco. C'est pas des grosses erreurs, mais c'est des erreurs d'inattention. Quand j'écris trop vite, en fait, et quand je fais des fautes, je fais pas gaffe à... Ah, mais si, c'est pour ça! Naruhodone! Naruhodone! Shichigatsu! Shichigatsu! Itsuka! Desu ka? So. Je vous le recorrigerai. Je suis désolée. J'ai voulu séparer pour vous montrer que c'est deux trucs différents, mais ça, voilà, ça a fait de la merde du coup. Et la dernière, Tsukue no ue ni hon ga atte, shita ni wa hana ga arimasu. Au-dessus du bureau, il y a des livres et en dessous, il y a des fleurs. Alors là, pour la notation, vous considérez que si vous avez bon à une des lectures, vous avez 0,5. Et au total, ça vous fait 5 points. Bon, je le répète, hein. Cette semaine-là, ayez pitié de moi. La semaine de reprise, c'est vraiment pas... Au niveau fatigue, c'est pas évident. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de petites fautes d'inattention. C'est parce que j'ai pas autant de temps pour me relire et pour faire les cours. Mais vous inquiétez pas, je me rattrape la semaine pro. Je sais que ça donne pas envie de sub, du coup, et de soutenir, mais promis, je me rattraperai. Promis. Je me rattrape sur le Discord. Vous inquiétez pas. Ah, mais Nolwenn, c'est ça, hein. C'est que j'ai tellement de... Bref, je vais arrêter de me justifier. Vous avez compris. Donc voilà, vous comptez 0,5 pour chaque mot de vocabulaire. Et au total, ça vous fait un point sur 5. Konbawa minasan. Tsukarete sumim... Ah non. Okurete sumimasen. Daijoubu desu yo. Tu n'es pas très très en retard. On vient de faire le premier exercice de test. 3,5. C'est pas mal. C'est pas mal hein, pour la deuxième semaine. Hein. 3,5 aussi pour Idril, du coup. Alors non, toute la grammaire de cette phrase n'ont pas été vues. Pas du tout. Là, tu vois, tu as des verbes partout. Les verbes, on l'a pas encore vu. On le voit la semaine prochaine, justement. Là, c'est... En fait, ces phrases-là, quand je demande de les traduire, c'est pour ceux qui ont déjà un niveau un peu plus avancé. Ça permet, eux, de les revoir aussi. Parce que la chaîne est très débutante. Donc, au moins, quand je fais des phrases comme ça, même ceux qui ont déjà un peu plus de niveau peuvent... étudier. Et du coup, coucou Shania. Bon, 3,5, 4,5, 3. Alors, il est grâce à quoi tu as 0,01? Je veux savoir. 3 sur 5. Ok. Bienvenue, Namila Chômeuse. Namila Chômeuse. Est-ce que tu chômes bien? Est-ce que tu vas bien? Ah, Gonichi au lieu de Itsuka. Ah oui, faites attention, c'est des lectures spéciales. Mais attendez, j'ai dit des bêtises. Justement, la semaine pro, c'est pas un cours de grammaire. C'est un cours de... Enfin si, c'est un cours de grammaire, mais pas les verbes. On va voir les noms, les heures, les dates et tout. On va voir ça vraiment, parce que vu qu'on l'a vu en kanji, je le mets avant les verbes. Et franchement, vous n'aurez pas d'excuses pour les adjectifs. Hein. Vous avez le temps de les retenir. Ah, c'est bah du coup, Yankitai, c'est t'as une des étapes. Maintenant, il reste les autres à avoir. Merci beaucoup, Ankas, pour ton follow. Comment tu vas? Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. 4,5, c'est bien. Bien, bien, tout le monde. Talala, 0, mais c'est normal. Ah, Zazel. D'accord. Bye, bye, matane. Ganbate pour le cours d'adjectifs, du coup. Coucou Ankas, comment tu vas? Bonsoir.
Bon, voilà. Exercice numéro 2. Vous avez 3 phrases avec des kanji qu'il faut écrire. Et donc, bah là, je vous laisse 5 minutes encore. On fait ça tous les des rounds de 5 minutes. Bonsoir, c'est pas du tout du japonais de mon niveau. Alors t'inquiète pas, Ankas, là on est en train de voir les kanji. Et actuellement on est dans une session de révision, de test de ce qui a été fait la semaine dernière. Donc vu que tu viens d'arriver, c'est normal que tu ne peux pas répondre à ces questions. Mais on a 4 exercices, là on est au deuxième. À partir, dès qu'on aura fini les 4 exercices, on va avoir de nouveaux kanji. Et là tu pourras toi aussi les apprendre. Sachant que tous les cours sont en rediffusion sur la chaîne YouTube, et que du coup, Anka, si tu veux voir les cours qui ont été faits précédemment pour rattraper ton retard, bah YouTube est là, et ton ami, et tu pourras les voir sans souci. Le kanji de 1, je sais pas pourquoi, mais j'adore le tracé. Ah, sodesuka. Hoko, hoko, ça veut dire la direction. Ah bah voilà, donc sur ma chaîne, je suis en train de refaire les playlists, je dois refaire les miniatures, mais d'ici cette semaine, tout sera à jour pour tous les cours. Bah écoute, moi aussi, je suis contente. Rares sont les personnes qui follow et qui vont papoter dans le chat, donc des personnes comme toi, je vous aime dès le début. Je crois avoir trouvé le 2, mais pas sûr. On verra ça. Mais je suis contente de trouver une prof de japonais sur Twitch. Ben écoute, je suis contente aussi. Ah oui. On m'a aimée dès le début, je suis contente. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est comme, même si je suis sur Twitch, hein, quand vous posez des questions à vos élèves et qu'ils vous répondent, mais c'est un moment de satisfaction, mais inexplicable, n'est-ce pas, Ishtaris? Je pense que tu peux confirmer, toi, en tant que professeur dans la vraie vie. C'est plaisant d'interagir avec les personnes à qui on enseigne quelque chose, donc oh oui. Mais il a que de l'amour ici, mais oui, kokorodes. C'est pour ça qu'on a un lien si fort, je suis venue parler dès le début. Bah voilà, Lord. Exactement, il y a des personnes je dénigre pas les gens qui restent dans l'ombre à écouter. Je suis aussi très contente parce que voir le nombre de personnes là actuellement qui me regardent, moi je suis en mode trop bien, mais j'aime aussi beaucoup quand je peux parler avec vous et faire connaissance et pas juste être des pseudos que, voilà, il y en a beaucoup ici maintenant, je connais leur voix, je les ai déjà vus, ne serait-ce qu'en photo, en vidéo, on a joué ensemble, on a fait des quiz ensemble et tout, donc ça aussi j'aime beaucoup. Et puis tant qu'on est une petite communauté, j'ai envie de dire, autant mettre ça en avant. Le jour où peut-être on sera une grosse communauté, ce sera plus compliqué, mais là il faut profiter. Après, je suis une pipelette, donc ça compte pas. Team pipelette, t'as besoin 5. Mais on sait tous que je suis le préféré. Le 1, je savais l'écrire grâce au dernier cours de kanji. Ah, ça, au dessiné. Check. Coucou, Austin Gamer 02, comment tu vas? Bonsoir. Genki desu ka? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux passer? Je crois que j'ai dépassé les 5 minutes du coup à papoter. Je pense que oui. Ah, Zazel! Du coup, pure doux que tu l'as fait fuir. Alors, je vous montre la réponse du coup. Tsuki da skides, ça veut dire quoi ça les gens? Je pense que ça, normalement, vous savez. Ça, on l'a vu en cours de grammaire. Ça veut dire quoi? Tsuki ga skides. C'est ma vengeance pour ce matin. Allez. So, j'aime la lune. Tsuki ga skides. Tsuki ga skides. Et ne pas confondre, hein. Tsuki et Tsuki, c'est pour ça que j'ai fait cette phrase. C'est pas les mêmes caractères. Ensuite, migi to hidari wa hoko desu. Ça aussi, normalement, hoko, je vous l'ai dit, c'est la direction, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Migi to hidari wa hoko desu. Saïma, ben en fait, quelqu'un a fait la réflexion la dernière fois, donc je me suis dit, il faut absolument que je leur montre que c'est pas la même chose. Je suis pas sadique, c'est pour vous aider, croyez-moi.
Mais il faut répondre, Lord, hésite pas. Les directions, la direction est à droite ou à gauche? Alors, cette phrase, c'est plus droite et gauche sont des directions. Parce que ici, ton thème, c'est pas la direction. On dit pas Hōko wa migito hidari desu. On dit migito hidari wa. En ce qui concerne la droite et la gauche, Hōko desu, ce sont des directions. C'est ça, Barmok. Très bien, très très bien. Faites attention à votre thème. La particule wa, remplacez-la toujours par en ce qui concerne quand vous avez un doute et vous prenez ce qu'il y a avant. En ce qui concerne telle chose et vous aurez votre thème. Et donc pour la troisième phrase, ici on est sur un chiffre. Hein. Kono desu wa 12305 yen desu. Alors, quel est le prix de cette robe du coup? Migi, c'est pas des prénoms. Migi Shidali, c'est pas des prénoms. En tout cas, pas écrit comme ça. C'est des la droite. Migi, hein. Tu te souviens, Nolwenn, pour ce qu'on a fait hier en quiz. La droite, c'est la bouche. On mange avec la main droite. Et le E en katakana, c'est la main gauche qui représente un outil. Et elle représente la main qui travaille. Migi Shidali. Migi Shidali. Alors attention, hein, ici vous vous trompez tous. Ichiman ni sen san byaku gohen. Elle coûte un peu cher cette robe. C'est ça, bien joué. Cette robe, eh bien, elle coûte 12305 yens, donc environ une centaine d'euros. Une centaine d'euros si on fait l'équivalence. So desu ne. Bah ouais, ça doit être une belle robe. N'oubliez pas, hein, dès que vous voyez man, ce qu'il y a après, c'est 4 zéros. Ça représente 4 zéros. Donc 2300 et go. Et donc là, au niveau des calculs des points, un kanji bien écrit, c'est 0,5. Vous avez au total 10 kanji, donc ça vous fait une base sur 5. Et donc pour, pareil, vous pouvez faire le total de vos points et me dire ça dans le chat. 12000. Ah, coucou! Est-ce que c'est un numéro de téléphone? Ça serait trop drôle! 06 70 79 78 56! Alors, si tu viens d'arriver, on est en train de réviser la leçon de la semaine dernière. Donc, si tu attends encore deux exercices, tu arriveras sur les nouveaux kanji à apprendre cette semaine. Si tu n'as aucune base en japonais, alors il faut que tu apprennes les hiragana et katakana. Et pour ça, tu as le Discord, la chaîne YouTube avec tous les leçons pour les hiragana et katakana et le manuel que j'ai écrit qui est dédié à l'apprentissage des hiragana et katakana. 5, 3, 5, 5, 5... Ah, vous savez mieux les écrire que lire. Et je suis étonnée. 3, 5... Bah, la compétence de mettre les kanji au bon mot, 5 sur 5. La compétence traduire correctement, 4 sur 5. Ça va, du coup ça va, c'est un bon score. 3 sur 5... Superman égale super 000. Sans dessiner. Sans. Coucou Claricou. Oh, 3, c'est bien, vous avez la moyenne. Merci. Bah, je vais attendre du coup, ça marche. 1,5. Ganbatte, talala. Du coup, t'as eu plus que pour la lecture, c'est bien. Ah, Kawed, est-ce que tu utilises Quizlet? Pour retenir le vocabulaire, c'est ce qui va fonctionner le plus. Coucou Nek, comment tu vas? Pourquoi 75? Il y en a un où t'as eu la moitié. Encore très mauvaise en maths. Tout s'explique. Ah non. Ah, alors, Kawid, tu vas voir, dans toutes les sections, Kanji, il va y avoir un lien Quizlet. C'est une application sur téléphone et ordinateur qu'il faut absolument, absolument que tu utilises pour apprendre les kanji. Vraiment, elle est très intuitive, elle est gratuite. J'ai fait tous les decks pour vous, justement, pour que vous n'ayez pas de boulot. Donc, fonce, tes subs, fonce, tu y as le droit. Pour tous les subs, foncez. Pour ceux qui sont pas subs, subez et après foncez. Bon voilà, donc dans l'ensemble, je pense que c'est bon. Exercice numéro 3, on refait des mathématiques. Sugaku ga suki desu ka, minasama ga.
Alors là, pareil, je vous laisse un peu de temps. Il y a beaucoup de caractères, mais ça sera une bonne fois pour toutes, quoi. La semaine prochaine, on les voit encore, et après, on les verra plus. Donc c'est vraiment le moment. Vous aurez eu 3 semaines pour apprendre les chiffres en japonais. Faut pas chômer. Ceux qui sont pas sub, bon bah, on mange nos morts. Alors non, il y a une solution. Si vous voulez Quizlet, il faut venir participer aux activités kanji le mardi et le samedi à 20h. Voilà, pour les kanji, vous pouvez, ou encore mieux, faut être élève de la semaine, et les élèves de la semaine ont accès pendant une semaine au salon sub, justement, avec tous les diapos et tout. Non, il faut donner la lecture en hiragana, et en plus, donner les chiffres, retranscrire en chiffres, faut faire les deux. J'ai oublié de préciser, c'est vrai. Fallait pas être pauvre, mais c'est tellement triste, mais non. Ouh là là, Nolwenn. Attention, hein. Il y a des petites erreurs. Le chiffre doit être pas aussi long que ça. Lord Nani. Mina. C'est long les gens. Je vous l'accorde, c'est long. est-ce que... Attendez. Attendez, on va faire quelque chose. Pour hop. Laissez-moi juste le temps de préparer ça. Voilà, le tableau est là. Le tableau. Ouh, attendez, vous voyez plus rien, c'est normal. Oh, j'ai vu des étoiles pop. Attendez. Attendez, qui dois-je remercier pour cela? Attendez. Oh, merci beaucoup, Nègre. Merci pour ton Prime. 2 mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap dans le chat. Merci beaucoup. Arigato. Alors, je vais vous montrer un par un. Comme ça, on travaillera ensemble. On peut plus travailler ici. C'est pas grave, j'autorise. J'ai du mal à passer par les canas pour les chiffres. J'arrive plus facilement à écrire directement les chiffres. Bah je me doute, Idril. Mais en même temps, le fait de vous les écrire en kana, ça vous fait vraiment travailler la prononciation. Parce que juste en écrivant en chiffres arabes, vous allez juste savoir les identifier, mais pas les lire. Et en général, il y a des petites exceptions dans les chiffres que je choisis. Donc c'est pour ça que je demande toujours la lecture. C'est pour savoir si vous connaissez les irréguliers en général. Merci encore pour le resub, Nègre. C'est trop gentil. Les élèves sont dissipés à cause de moi. Parfait. Alors, je vous montre la première réponse, du coup. San zen gohyaku ni jugo. San zen gohyaku ni jugo, pardon, qui nous fait 3525. Pour le deuxième, est-ce que vous pouvez me le mettre en chiffres dans le chat? Je vais vous faire un peu participer, un peu d'interaction. En chiffres, ça donne quoi en chiffres arabes? Ah oui, pardon. Faut que je baisse du coup. On va refaire ça. Voilà. Sodesne, bien joué. Niman. Allez, attention. Hassen Lop. Piaku, Rob Piaku, Kawi par exemple, il te manque le Hassen, tu m'as mis Hachisen, mais c'est bien 28600. 28600. Pour le suivant. Attendez. Hop, pour le suivant, ça donne quoi? Trop rapide. Ah, Gomen, Gomen, vu que les gens m'avaient donné la réponse. Hmm.
Alors, à Kayuli, il manque quelque chose. Il te manque un petit zéro quelque part. Pareil pour Saima, du coup. Ici, on est sur Goju-man. Goju-man. Nisen, Yon-yaku, Kyuju. D'accord ? Et donc, on n'a pas Go-man, on a Goju-man. Donc, 50 man. Donc, vous mettez 50, et après man, il doit y avoir 4 chiffres. 2490. T'inquiète pas, Seima. Daijoubu, shinpai shitaide. Daijoubu desu yo. Pour le troisième, du coup. Ah, bon appétit, Lord. Le jour où Neko Sensei-san va découvrir les transitions, sa vie va changer. B.E. bien joué tout le monde. 6658. 6652. Et pour le dernier. J'y retournerai pas. Je veux pas voir la faute. J'y retournerai pas. Elle n'existe pas si je la vois pas. Oh, c'était 6658. 6658. Ah, et 4 fautes déjà. 3 ou 4 fautes. Ouh. C'est vrai. Et vraiment, le nombre de fautes, c'est équivalent à comment dire, ma fatigue intérieure. Je vous le jure. Du coup, on va le voir, mais c'est pas grave. 867. 867. C'est bien joué, tout le monde. Du coup, ça vous fait un point par bon chiffre. Si vous avez aucune faute, c'est un point. Sinon, vous avez faux. C'est triste, hein. Sur des nombres aussi longs, c'est triste. Ah, Barmok. Attends. 6億. 6,679,7,856. C'est trop. Ah, 4 sur 5, du coup, dommage. Naruhodo. Voilà, Cho et Oku, de toute façon, c'est des nombres. Même le kanji, vous le voyez jamais. Moi, ça fait des années que je fais du japonais, et rares sont les fois où les chiffres sont aussi gros, donc pas besoin de les voir, sachant que Oku n'est pas du JLPT5, donc pas d'utilité. Du coup, même moi, j'ai 4 sur 5, putain, je suis morte. Et maillot point supplémentaire pour en trouver la faute. Ah non, on t'en veut pas, Neko Sensei, Sama. Non, San, en voyant plus de fautes, on se sent comme s'il y avait plusieurs fèves dans une même galette. C'est trop chou! Putain! Ah non, Yukimi! Non! Titi! Titi pour Yukimi! Kanbate kudasai! Bon, et du coup, quatrième exercice. Et donc là, c'est l'inverse. Écrivez-moi tous ces jolis chiffres en kanji. Kanji de kaite kudasai, minasan. Bonne soirée à toi, Yukimi! Bah, c'est ça! C'est ça, Seima, exactement. Sache que je suis choquée, déçue. Alors, attendez, je vais refaire mon ça, du coup, parce que... Hop. Pour tout à l'heure. Quelque chose de ce style-là, je pense. Voilà. Mignon, vous les voyez. Yamete kudasai. Ah, pardon. Je te pardonne.
Mais non, Maïeu, faut pas avoir la flemme, faut savoir les chiffres, faut les savoir. Taïsen, c'est des CEO, c'est important. Ah, sur ordinateur, tu dois aller dans tes paramètres, clavier. Et normalement, les gens, vous devez les écrire à la main. Le but, c'est de travailler l'écriture à la main. Et vous me les écrivez tous sur PC, l'utilité sur 20. Ça me prouve juste... Non, ça me prouve même pas que vous savez l'écrire parce que vous pouvez faire San, Sen, Hati, Yaku, sans mettre les lectures, c'est ça le pire. Ça veut pas dire Seima. En fait, tu peux juste faire chiffre par chiffre et sans écrire la bonne lecture. Du coup, ça ne me prouve rien. Ah, bah Shania, on a bientôt fini. Bientôt, bientôt. Je peux passer à l'oral. Je suis pas assez passé en LV2. Ah, ça n'aime. Mais oui, Kawid. C'est pas grave, t'inquiète pas. Bah, en gros, si justement, pour ceux qui sont sub, je peux vérifier, hein, dans correction, si vous me prenez en photo, je vous le corrige à chaque fois. Hein. Quand vous faites des exercices de votre côté et tout, je le dis peut-être pas assez, mais si vous faites des choses de votre côté, qui sont en lien avec le cours, mais qui sont en dehors des devoirs que je peux donner, je peux quand même vous les corriger, donner mon avis, et les autres personnes autour pourront aussi y regarder et voir si eux aussi ont compris, si eux peut-être vont voir une faute, et ça fera travailler tout le monde. Donc si vous faites des choses et que vous voulez une correction, un retour, mettez en tant que sub, même en tant que non-sub, hein, y a des salons en question et tout, si vous voulez un retour, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui sont contentes de faire ça, moi y compris, donc n'hésitez pas. Hein. On peut donner nos dessins à la maîtresse dans correction aussi. Ça dépend, est-ce que dans ton dessin, il y a du japonais? Dans ce cas-là, certainement, ça passe. Est-ce que je peux vous montrer la correction pour celui-là ou je vous laisse encore un peu de temps? Dites-moi. En combien de temps on peut apprendre le japonais? Alors ça dépend le niveau que tu veux atteindre. J'ai envie de te dire en quelques... Allez, entre 1 et 2 ans, tu peux facilement, même en un an, tu peux facilement réussir à te faire comprendre, à faire vraiment des phrases basiques, simples et basiques, voilà, et en 3 jours. Mais faut être motivé, putain. Tu prends des petits cachets, boum boum, et puis hop, ça rentre dans la tête tout seul. Et ben, si ça n'a aucun lien avec le cours, à part la langue, vous pouvez mettre dans général et papoter les subs. Vous avez un général les subs, hein, maintenant. Donc après, vous pouvez tag en mode hey, « Eh, qui en dit, t'en penses quoi ?» Évidemment, je pourrais pop. Donc je dirais en un an, là avec la chaîne Twitch par exemple, en un an, vous aurez des bases normalement solides qui vous permettront de faire des phrases compréhensibles, assez diverses, tout en restant simple. Bah Kawid, l'oral c'est le plus difficile pour tout le monde. Même moi, n'étant pas japonaise, ma prononciation est forcément déformée d'une prononciation naturelle. Et je ne pratique pour le moment pas l'oral sur la chaîne Twitch, tout simplement parce que je n'ai pas de support pédagogique adéquat. Donc voilà. Non, ou alors contre rémunération, Azu. Ça s'appelle un cours. 25 euros pour 1h30, d'accord? On voit ça en DM. Je vous mets la correction. Et donc là, pareil. Alors, je vous lis la lecture. Sanzen hapyaku kyuju nana. Sanzen hapyaku kyuju nana. Ah bah oui, non mais c'est ça, l'oral c'est toujours le moins évident. Pour le deuxième, Goman, Rokusen, Hapyaku, Nanaju, Ni. Goman, Rokusen, Hapyaku, Nanaju, Ni. Waouh, bien joué Talala. Bien joué Kawid, waouh. Le troisième,
698. Oh, waouh. Ah ben, eh, vous étiez en mode, oh, la flemme et tout, mais vous avez tout 5 sur 5, ou presque. GG, hein. Le quatrième. Yonsen, lopiaku, nanadu, ni. Entraîne-toi juste pour dire un truc simple, basique. Comme ça, tu auras droit à ton Nihongo Jōzu d'un natif. C'est ça. La première chose qu'il faut que vous sachiez faire, c'est de vous présenter. Ça, il faut le... Mais genre, le blindé de fou. Hajimemashite, watashi wa Candy desu. Friends kara kimashita. Ano, 22 sai desu. Watashi no shumi wa Nihongo o benkyou suru koto desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Et voilà, un truc de style-là. Et hop, déjà, ils vont... Ah, Nihongo Jōzu desu ne. Oh, merci beaucoup Eleliana pour le follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Sono channel e yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et du coup pour le dernier, il est long. 69,350. Nisai desu. Alors du coup, quel est votre score? Donc ici, pareil, si vous avez tout beau, vous avez un point. Coucou Eleliana, du coup, c'est un peu long. Eleliana, comment tu vas? Alors, question habituelle pour tous les nouveaux sur la chaîne. Comment ça va? D'où tu viens? Et comment tu as trouvé la chaîne? Et donc, au total, ça vous fait combien sur 20? Dites-moi, est-ce que vous avez bien appris votre leçon? Relire le dernier, bien sûr. 69,350. Ça va aller, Nolwenn, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Il faut que tu rattrapes les cours, mais une fois que ça sera fait, tu n'auras besoin que de temps. Issen, je ne crois pas. Je crois qu'on dit juste Sen. Mais comme vous, quand vous me posez des questions, j'ai toujours des doutes. Pur noob, qu'aurais tu dit? C'est Sen, hein, c'est juste Sen, on dit pas Issen. C'est chaud. Taille, je veux. Oh, il y a de super notes, c'est bien, c'est du bon boulot ça, tout le monde. 17,5. GG. Mais Mayu, la flemme, t'as prise, et puis c'est tout. Normalement, on dit juste Sen, et pas Issen, mais est-ce qu'on peut quand même le dire? That is the question. Attendez, vous savez quoi? Je crois que j'ai ça. C'est très important parce que si j'ai raison, je dépasse Akayoli. Ah bon bah, du coup, est-ce qu'on le comptabilise quand même? Est-ce qu'on est gentil ou pas? Telle est la question. De manière générale, on dit juste Sen, mais comme Pure Noob l'a dit, on peut des fois dire Issen. Donc allez, on va dire oui. Mais retenez vraiment que c'est le moins utilisé. En fait, je suis tombée sur ton Asa et comme j'apprends le japonais, je suis venue faire un tour ici. Oh, bah écoute, coucou à toi. Non, on est méchants. Waouh, Destiny. Clap, clap. 19, 17, 5. Chapeau, tout le monde. Chapeau, c'était... Comment dire que c'est excellent? C'est excellent. Ah, so desu ka, Kayuri-san. Naruhodo ne. Alors,
Alors, quelque chose confirme Issen. Donc, on peut dire les deux. On va dire qu'on peut dire les deux, du coup. Mais s'il n'y a pas le candy de A devant, il se lira forcément Sen. D'accord ? Ça, il n'y a pas de doute. Ça peut se dire. Mais là, écrit comme c'est écrit, en tout cas, on ne peut pas le dire. C'est juste Sen. Il n'y a pas de Ichi devant. Je sais, je suis pas crédible, je suis trop gentille pour être méchante. Gna gna gna. Ah, j'ai pas fait le total, je suis bête, je dois être vers 15. Ok. D'ailleurs. du coup, petite question. Est-ce que cette méthode, avec tous les supports que je vous donne, le cours et tout, est-ce que ça a l'air de fonctionner, mais concrètement, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? J'ai l'impression que c'est plus le fait de les lire qui est compliqué. Et donc ça, la solution, c'est d'utiliser Quizlet. Si mon pire élève peut être à 15 sur 20, I have a dream. Naruhodo. Et donc par exemple, Isenman, on peut le dire. Ah, en fait, je pense qu'on dit Sen seulement quand c'est pour 1000. Et dès que ça dépasse au-dessus, bah genre par exemple là, Isenman, on dira Isen pour pas le confondre, peut-être. Mais j'ai tendance à voir, dès que c'est juste 1000 quelque chose, on dira juste Sen. Ezum, j'aimerais tellement. Je le fais pas exprès, c'est ça le problème. Ah, trouver du temps. Ah, Naluhodo, je viens de comprendre. Ok, ok. Donc, pas de problème, c'est de trouver du temps. Vous êtes tous occupés, Naluhodo. Ah, soyukutoka, Seima. Bah, vous voyez, même votre sensei, elle apprend quelque chose, là. Alors, si tu veux rattraper tout ça, c'est la chaîne YouTube. Tu as tous les replays. Et si tu veux te faciliter les choses, faut sub à la chaîne. T'as des salons spéciaux dans Discord, t'as tout de répertorié. Sinon, tu as tout dans des playlists. D'abord les hiragana, puis les katakana, et après tu jongles entre les cours de kanji, les cours de grammaire, les cours d'exercice, etc. etc. Et tu as le manuel, évidemment, si tu ne connais pas encore les kanas. Téléchargement de l'application Quizlet en cours. Ah, j'ai eu peur, pure douleur. Naruhodo. Perso, ce que je fais pour les retenir, c'est que je fais mon deck. Et le fait de les écrire et tout, ça me fait les retenir bien mieux. Après, Quizlet est cool pour s'entraîner et les garder en mémoire. Sourd dessiné. Je lis tout, mais en chinois. Ah oui, si tu as fait chinois, du coup, tu seras capable de les lire, mais pas en japonais. Mais du coup, t'es Gakusei Neko-sensei-san. Oui, oui, c'est exactement ça. Ah, travaille bien, Ankaz, du coup, Ganbatte. Et à une prochaine, j'espère. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Quizlet, beaucoup mieux que Anki. Anki a juste une fonctionnalité qui n'est pas sur Quizlet. Mais Quizlet a tellement plus de trucs. Clairement plus. Ah, Diane 06. Bon. Donc les résultats, c'est bon. On commence le cours d'aujourd'hui. On apprend les 10 nouveaux kanji. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, Barmok, t'as pas besoin de tuto. T'as juste besoin de cliquer sur le lien dans les salons sub, c'est tout. Coucou soldat, ça fait longtemps. Comment tu vas? Watashi wa genki desu, moi ça va. Non, une heure de révision, une heure de cours. Le cours de kanji en général c'est 2 heures en prenant en compte l'introduction où je fais la commode, hein, évidemment. Bon, du coup, je prends ça pour... Ouais, on est chaud patate. Hop.
Alors attendez, comme d'habitude, je me réorganise. Alors, on va commencer aujourd'hui. Ouais, je suis live samedi. Moi ? Non, c'est pas prévu. Si, bah, va sur le Discord et sur mon putain de planning que je fais chaque semaine. Ah mmh. Alors, ah non, mais c'est vrai, je le fais pas pour rien. Donc, vous avez en face de vous le kanji qui veut dire intérieur et qui se prononce en lecture kun, naka, naka, l'intérieur, ou parfois uchi. Donc la lecture kun principale est naka et la lecture on, c'est tu. Donc pour la lecture kun, vous avez le mot hein, en lui-même, kanji tout seul, qui se dit naka. Par exemple, à l'intérieur de la maison, ie no naka, à l'intérieur de la maison, ou je sais pas moi, à l'intérieur des toilettes, toide no naka, toka. J'étais dessus il y a une heure sur ce kanji. Ah bah, voilà, comme ça, celui d'aujourd'hui sera easy. On a plusieurs mots de vocabulaire avec la lecture on. On a tuo, qui veut dire le centre. Tuo, par exemple, c'est kai no tuo, le centre de la terre. On a aussi tugoku, hein, la Chine, littéralement le pays du milieu. Voilà, et on a aussi tugakko, tugakko, qui veut dire le collège. Avec l'écriture en tu, du coup, qu'il faut retenir, évidemment, grâce au mode vocabulaire. Pour le kanji en lui-même, on est sur du 4 traits. on commence avec un rectangle, et donc de la même manière que pour un carré et un kuchi, on va d'abord commencer par le trait de gauche, puis faire l'angle, puis le boucher, et enfin traverser. Bon, du coup, ça me met hop, un rectangle, et là vous avez naka. Donc vous avez un rectangle qu'on traverse de moitié. Merci beaucoup Maëva. Je vais des clap 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 dans le chat. Clap 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 pour Maëva. Je vais des clap 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 dans le chat. Merci beaucoup pour le raid. C'est trop gentil. Coucou les 11 nouvelles personnes. Merci beaucoup pour le follow. El zombie. El zombito. Coucou tout le monde. Kambawa. Comment tu vas Maëva? Est-ce que ton stream s'est bien passé? T'as fait quoi ce soir? Je vais t'éclater, clac, clac. Comment vous allez les raiders? Merci encore pour le raid Maëva et puis le follow de El Zombito. J'aime beaucoup ce El Zombito. C'est marrant de prononcer. Dès que c'est espagnol, c'est marrant. Il s'est super bien passé. Ah, yokatades, yokatades. Et en plus, ça arrive juste au moment où on commence la leçon d'aujourd'hui. Là, on vient de finir le test, les entraînements et tout. Tu arrives au bon moment. Bon, j'imagine que tu dois être fatigué de ta journée, mais au cas où, tu arrives au bon moment. On était sur une petite session rage sur Tomb Raider sur PS2. Zen attitude. T'es si honnête. Alors, sinon, je vous remontre pour Naka, l'intérieur, hein, je le répète. Vous commencez par le rectangle que vous divisez en deux. Voilà, et vous avez Naka. Quelque chose de ce style-là. Bon, moi, sur tablette graphique, je peux pas trop m'appliquer, mais c'est un peu plus difficile que sur papier quadrillé. Mais vous avez l'ordre des traits et à peu près à quoi il doit ressembler. Oh! Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, et en plus, je suis totalement en retard, mais me voilà. Et oui, ça fait déjà 8 mois. Oh, merci beaucoup, Sakura Neko Panda, Isashi Buddy. Je vais des clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap. Pour sa coup. Merci beaucoup. Oh, 8 mois d'abonnement. Waouh. Waouh. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup, du coup, BlitzWarrior87 pour ton follow également. Clap, clap, clap pour le follow. Clap, clap, clap pour le follow. Je confonds toujours collège et Chine, c'est terrible. Alors, tugakko. Tugakko. Gakko, ça veut dire l'école. Tus, du coup, ça veut dire le milieu, hein. Donc, l'école du milieu, c'est le collège. On a la primaire,
le collège et le lycée. Et donc, le collège se trouve entre le lycée et la primaire. Et c'est pour ça qu'on dit Chugako, c'est au milieu. Alors que Kuni, en fait, Goku, c'est Kuni, c'est le kanji du pays. Donc, je pense que tu auras plus de problèmes dès que tu connaîtras le kanji du pays. Merci encore, tout le monde. Merci pour les subs d'aujourd'hui, les resubs, les follow. C'est trop gentil. Merci. Oui, Nègre. De manière générale, vous utiliserez Nekturkun soit quand votre kanji est tout seul, soit quand il est accompagné de hiragana, notamment pour les verbes ou les adjectifs, par exemple. C'est parce que tu es la meilleure. Mmh, arigato. Ça donne encore plus de courage pour toi, du coup, Saku, et pour Azazel de refaire tous les channels, parce que je sais, même pour Ancien, alors Ancien, je pense qu'il n'est plus sable, mais si un jour, non, s'il l'est encore, Ancien, quand vous allez reprendre, au moins, ça sera tellement clair que ça vous donnera peut-être un peu plus l'envie de reprendre. C'est grâce à vous que je le fais, vous me donnez envie de le faire, du coup, voilà, des bisous. Spoiler, le lycée, c'est la grande école. So, on est Koko, avec le ko de en haut, Takai, l'école du haut, exactement. Donc voilà, pour Naka, on peut passer au suivant. Punaise, ça fait longtemps que j'ai cherché à apprendre le japonais, c'est vrai? Bah écoute, tu es sur la chaîne qu'il te faut, alors. Sache que tous les cours sont disponibles sur la chaîne YouTube totalement gratuitement, avec le chat présent et tout, les explications, et que vous êtes tous et toutes les bienvenues sur le Discord, où on est très actifs, hein, clairement. C'est là où vous saurez tout avant tout le monde. Et où, si vous avez des questions, eh bien, on y répondra du mieux qu'on peut pour vous aider dans votre apprentissage. On est plusieurs à l'apprendre. Enfin, toutes les personnes qui sont sur le serveur, de manière générale, veulent apprendre le japonais. Et donc, c'est un serveur un peu d'entraide. Même si je donne cours, j'apprends aussi en même temps. Voilà. Remercie-moi. Bon, ça a l'air d'aller pour celui-là, du coup, on passe au suivant. Le suivant, c'est le kanji du feu. Hi, bi, et parfois ho. Il y a aussi certains mots de plusieurs kanji dont la lecture est kun, non? Je pense aux couleurs. Oui, alors oui, Kawel, rien que les chiffres, hein, c'est une exception. Et il faut les apprendre comme étant des exceptions. Mais la règle générale, c'est celle que je t'ai dit. Hein. C'est surtout pour arriver à comprendre les animes sans avoir à lire les sous-titres. Ah bah ça, c'est le rêve de beaucoup de personnes, je pense. Donc voilà, ce kanji, c'est le feu. La lecture kun, c'est hi, hein, quand il est tout seul. Et en lecture on, a ka. Donc niveau vocabulaire ici, je vous en ai mis plusieurs. Hi pour le feu. Kadi pour un incendie. Kayobi pour mardi. Alors sachant que ça, ce vocabulaire-là, je vous le mets à savoir lire et à comprendre le sens, mais pas à l'écrire. Hein. Le yo, il est trop compliqué pour l'instant. Et après, on a hanabi pour une lecture kun spéciale. Hana, la fleur, et bi, le feu. Donc la fleur de feu, c'est un feu d'artifice en japonais. C'est très joli. Au niveau des tracés, on est sur du 4 traits. Et on commence par les petites étincelles du feu, voilà. Sur le côté, et ensuite la personne. Alors vous faites ce que vous voulez, mais je sais pas, une personne dans le feu ou une personne qui crie à l'aide parce qu'elle est en train de brûler, je ne sais pas. Ou alors vous imaginez que c'est des rondins de bois et que le feu il crépite autour, je ne sais pas. Ça aussi c'est faisable, beaucoup moins sadique. Ah non, j'ai pas eu le temps de marquer. Alors. De quoi tu n'as... Alors, tu screen. Je te conseille de screen parce que tu n'auras pas le temps de tout marquer à chaque fois. Donc, dès que tu vois quelque chose, tu screen, tu sauvegardes. Et après, tu peux revoir la rediff pour les explications. Donc, je recommence. Hop, hop. Voilà. Ho, si tu veux. Celui-là aussi se lit ho, c'est ça? Mon premier trait n'est pas dans le bon sens, quoi?
J'adore cette traduction littérale du feu d'artifice, mais oui, c'est trop joli. C'est pour ça que je le mets. C'est pas trop compliqué à retenir. Je suis plus effrayée par l'écriture de cet incendie. Alors non, incendie, il est pas compliqué du tout. Quand vous le décortiquez, il est assez simple en fait. Hein. Bon, il est très moche, putain, mais quelle laideur. Tu vois là déjà, tu décomposes en trois parties. Une, deux, trois, et tu hop, fais les deux. Mais je vous verrai. Là pour l'instant, on n'a pas de kanji avec des clés en soi. En fait, vous êtes en train d'apprendre les clés. Donc vous inquiétez pas. Ah, bon appétit Nolwenn, à tout à l'heure. Je suis plus... Nanana... Dans... Katon. Ah, ça, au dessiné. Katon no jutsu, c'est le K du feu. Katon. Et l'inverse, Hanabi, Hibana, c'est étincelle. Ah, ça, je savais pas. Ah, bah du coup, c'est pas compliqué à retenir. Hibana, naruhodo. Arigato, shite kurete. Ah... Bon, bah mon mot du jour, c'est Hibana. Hibana ni nalimasu. Est-ce que ça va pour celui-là? Oui, Seima, c'est exactement ça. En fait, je vous dis pas les noms, parce qu'en soi, retenir les noms, ça sert à rien. Je vous dis le sens et tout, là. Bah, par exemple, Hi, c'est une clé, hein, mais retenez juste que c'est le feu. Et quand on verra la clé, je vous dirai, bah là, c'est la clé, c'est telle clé. Voilà, c'est, ça, c'est une clé. Elle s'appelle comme ça, et... mais là, ce sont en fait l'origine des clés, donc ce ne sont pas des clés en elles-mêmes. Bon, ça a l'air d'aller, du coup, je passe au suivant. L'eau. On va voir l'eau. Alors aujourd'hui, on est sur un cours des éléments, hein. Clairement. Vous saurez les kanji pour tous les jours de la semaine, parce qu'on a déjà vu la lune pour le lundi et le jour pour dimanche, et on va voir tout le reste aujourd'hui. Alors, l'eau se dit Mizu quand il est tout seul, et en lecture on, ça se dira Sui, donc quand il sera accompagné d'un autre kanji. Donc je vous l'ai dit, hein, l'eau, Mizu, et je vous ai mis quelques mots de vocabulaire, donc Mizuke, Mizuke, donc la lecture spéciale hein, pour l'humidité, sachant que le deuxième kanji c'est Ki, c'est un kanji du JLPT5 que vous aurez à apprendre dans les semaines à venir. Ensuite on a par exemple Suiei, la natation, Suiei, et enfin Suiyobi pour mercredi. Voilà, ça c'est les mots importants hein, à apprendre les jours de la semaine. On le reverra dans le cours de grammaire de lundi, mais voilà, il y a des choses à apprendre. Et le cours de grammaire, du coup, on fera aussi, je pense, en même temps que le cours, des exercices. En plus des exercices qu'il y aura jeudi. Mais je vous en reparlerai à ce moment-là, vous inquiétez pas. Donc voilà, Mizu, l'eau, Mizu. Au niveau du tracé, on est sur du 4 traits, pardon. On commence avec un trait vertical avec un hané, ça vous en souvenez, hein. Dès que je le pointe du doigt, c'est qu'il est important et il ne faut pas l'oublier. Pas du tout, sinon c'est une faute dans l'écriture du kanji. Ensuite, on est sur un trait qui ressemble pas à 3, ça, je le refais. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose, mais en deux traits séparés. Tac et tac. Et vous avez Mizu. Alors, le mien est disproportionné à cause de la tablette graphique. Oh, punaise. Attendez. Voilà, ça doit ressembler à quelque chose de ce style-là. Hop. Du coup, je l'ai fait de plus en plus petit pour qu'il ressemble à quelque chose. Attendez, je vais essayer de le faire en grand quand même, mais... Hop. Ah, putain. C'est pas facile. Ils sont pas beaux. Attendez. Hop. Voilà, quelque chose de ce style-là. Arrêtez, j'ai du mal. Je vais le faire en petit. Voilà, en petit, ils sont beaux. Mon kanji préféré à tracer, l'eau. Anadurodo. L'eau, alors. Ah, ok, donc après, on va avoir l'arbre, l'argent, la terre. C'est ça, Seima, exactement. C'est le contraire pour moi. J'ai du mal à le retenir. Ah, son corps. Oh, ce deuxième kanji de la natation, incroyable. Je le connais pas. Il est si beau. Suiei,
Alors, c'est la clé de l'eau et la glace, je crois. De mémoire. Je crois que c'est ça. Je vois pas. Les gens, dites-moi. Attendez. Sont dessinés. Donc ça, vous voyez, ça, c'est la clé de l'eau. Mais on la verra plus tard. Il est pas si compliqué quand vous décortiquez. Plus c'est petit, plus c'est joli. Mais oui. Après, on aura Hoshi. Comme ça, on pourra faire le système solaire. Alors, Seima, il n'y a pas Hoshi pour le moment. Mais à un moment, il y sera. Et à ce moment-là, je vous donnerai le vocabulaire des planètes, évidemment. Évidemment. Moi, j'aime bien. Je me dis que j'ai un trait avec un fou à gauche et un à droite. Moi, je dis vive Naruto pour apprendre les kanji des éléments et Bleach pour les nombres. Après, je dis ça, je dis rien. Suiton, bah oui, Suiton, évidemment. Et on rajoute un trait et ça fait la glace. C'est facile, le japonais. Bah oui. Aura-t-on un cours dédié aux clés? Je suis très curieuse de les apprendre. Alors, je pourrais en faire un, mais pas tant que vous n'aurez pas vu les kanji de base. Donc, pour le moment, ils n'y seront pas, en fait. Il faut voir la princesse. Enfin. En gros, ça sert à rien que je vous dise, ah bah ça, c'est la clé de l'eau, parce que ça vient de tel kanji, alors que vous ne connaissez pas encore le kanji. Tu vois? Donc, quand on aura fait les clés de base, en kanji de base, là, après, je vous ferai par kanji. Le plus simple, c'est pas de les apprendre en général, mais c'est de les apprendre quand vous voyez un kanji. De vous dire, ah bah là, j'ai vu le kanji, je sais pas, moi. J'ai pas d'idée. Bah là, Suiei, dans Ei, on a le kanji et on a clé de l'eau. Ah bah ça, retenez que c'est la clé de l'eau, ça s'écrit comme ça, etc., etc. Nous n'avons pas les bases. Il y a les clés de l'eau dans le deuxième kanji de natation. Oui, en fait, c'est ça. Ça, c'est la clé de l'eau. Ça représente l'eau. C'est Sanzui. Sanzui. San pour 3. Zui pour suit l'eau. Bah ça, Kawid, pardon. Je vous le dirai au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Bon, voilà, pour l'eau, du coup, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai l'impression que ce sera dur. Qu'est-ce qui sera dur? Bleach, le seul animé que j'ai pu suivre en VO en japonais, tellement il n'y a pas de vocabulaire, c'est vrai. Moi, je regardais à l'époque où ça passait à la télé, du coup, c'était en français, mais. Ah, d'apprendre. Alors, si tu as la motivation et un bon professeur et du temps, ça devrait passer tranquille. Donc, si je corresponds à ce qui te correspond, c'est très français tout ça devrait aller. Ah, sakana. Sakana ne. Alors, kanji suivant, du coup. Kanji de l'arbre. Ki. Alors, des fois, on peut se dire ko dans Konoha, par exemple, hein, pour Naruto. C'est le ko. Voilà, lecture spéciale. Vous la connaissez tous si vous avez vu Naruto. Sinon, de manière générale, il va souvent se lire ki quand il va être tout seul. Et en lecture on, on en a deux. On a boku et moku. Voilà. Niveau vocabulaire, il n'y a pas beaucoup de choses très utiles, à part ki en lui-même qui veut dire arbre, ça super important. Je vous ai mis aussi ki-ichigo pour la framboise, là c'est juste du vocabulaire, comme ça vous apprenez en fait la fraise en même temps. Ichigo c'est une fraise, et ki du coup c'est la fraise de l'arbre, donc les framboises. C'est ça, Seima, ça. Et le dernier évidemment, on est sur les jours de la semaine, hein. Mokuyobi, le jour de l'arbre, c'est jeudi. Et non, c'est pas boku no piko, c'est pas le même boku. Oh non, Destiny, non! Bon bah, bye bye. Je suis trop triste quand vos connexions supportent pas le live. Bonne soirée à toi. Ah, bonne soirée Marie, je n'avais pas vu. Matane. Kite kurete mina arigato ne. Bon. Coucou Lard. Donc voilà, au niveau du tracé, du coup, on est sur du 4 traits encore une fois. On commence à l'horizontale. On fait une croix.
et on met les branches de l'arbre. Voilà. Et vous avez un arbre. Il est pas joli mon arbre, mais c'est un arbre. niveau imagination, dites-vous que vous faites des branches, hein. Voilà. Quand tu connais l'arbre, tu connais aussi la forêt. Sodesne. Et on va le voir justement tout à l'heure. Juste après celui-là, je crois, ou encore après, on va voir en fait Hayashi. Et donc on va voir Shinri du coup. Mais vous allez voir. C'est ça. Si vous avez trois arbres, vous avez une forêt Mori. Merde. J'ai pas fait le bon ordre, je suis désolée. C'est parce que j'avais pas la place. Donc, trois arbres, c'est une forêt. Une petite forêt, mais c'est une forêt. mais il est très beau ton arbre, c'est gentil, Yukimi. Mizu no kanji ga suki. Ah, watashi mo suki ne. Tashikani. Kirei na kanji desu ne. Et deux arbres, c'est un bois. Hayashi, so desu ne. Ça, c'est juste un arbre. Si tu en rajoutes un, et dans ce cas-là, vous aurez la clé de l'arbre plutôt que l'arbre, tu as une... comment on appelle ça? Hayashi. Hayashi tenani. Un bois. Et si tu en rajoutes encore un, tu as une forêt. Plus t'as d'arbres, plus c'est grand. Donc voilà. Donc là, retenez ki et mokuyobi, hein, principalement. Boku wa sakana. J'aime bien que vous mettez des ha-ha-ha et des hi-hi-hi. Désolée, je débute, j'ai peut-être raté un cours dessus, mais quelles sont les différences entre les lectures Kun et On? Qu'est-ce qu'elles vont changer? Alors, en gros, Patricia, la lecture Kun, c'est la lecture japonaise. Et cette lecture, elle va s'utiliser de manière générale, il y a beaucoup d'exceptions, mais de manière générale, quand le kanji est tout seul ou quand il sera accompagné d'un kana. Là, par exemple, si ton kanji est tout seul, eh ben, tu vas le lire ki. Et ça aura le sens ici d'un arbre. Par contre, s'il est accompagné de plusieurs kanji, donc là, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre prenons Mokuyobi, justement. Mokuyobi. Hop. J'écris comme je... Ah merde, vous voyez pas mon bi du coup. Attends. Voilà. Qui est pas très joli de toute manière. Là, tu vois, il est accompagné de plusieurs kanji. Et quand tu as un kanji avec d'autres kanji, tu dois utiliser la lecture on, la lecture dite chinoise. Et donc, ici, tu liras moku, yo, bi. Parce que c'est accompagné d'autres kanji. Et ça, Patricia, c'est ta règle de manière générale à utiliser. Tu as beaucoup d'exceptions, mais tu te rendras compte qu'il s'agit d'une exception et qu'il faut la prendre comme telle, comme un mot de vocabulaire. D'accord? Daijoubu desuka? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, le kanji de yo n'est pas si compliqué. Vous avez la clé du jour. Ensuite, vous avez les kana... Yo. Et après, vous avez la clé de l'oiseau. Ici. Et donc, en fait, vous divisez votre kanji en trois parties. Et si vous retenez ces trois parties, vous retenez un kanji. Donc, en fait, vous apprenez pas, je sais pas combien de traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 traits. Mais trois kanji. Vous voyez la différence? Psychologiquement, ça fait du bien. Coucou Laylan, comment tu vas? Le plus difficile dans les kanji, c'est les proportions. Non, mais tellement. Surtout moi, sur une page blanche et sur tablette graphique, c'est pas un beau combo, mais pour vous, c'est le plus pratique. Le live, il va se terminer dans 15-20 minutes, je pense. 15-20 minutes. On dépasse pas 2 heures, hein, donc ouais, une vingtaine de minutes, je pense. Alors, kanji suivant. Le kanji de l'argent, du métal, kané. Quand il se lit tout seul, hein, en lecture kun. Élève apprenant les hiragana, facile le japonais. Élève apprenant les katakana. Oh, bah dis donc, j'aime pas ça. Élève apprenant les kanji. Sans dessiner.
Bah, sur mon tableau blanc, je ne pense pas. Je dois avouer que vraiment, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, je l'utilise pas assez. Mais il faudrait que je regarde. Parce que là, vous voyez, il y a ça, mais il faut que je reste cliqué. C'est pas pratique. Ça va tranquille, Pépou, j'ai refait mes scènes, ça cracouille. Ça clacouille, ça passe à cracouille. Naruto. Ça va, Genki desu yo. Du coup, je disais, Kané, l'argent, le métal, quand il se trouve tout seul, on peut aussi trouver Kana, pas très souvent, et Gané, quand il est placé après un autre kanji. Sinon, en lecture on trouvera souvent Kin comme lecture et des fois Kan ou Gan. Donc là, tout seul, Kané veut dire argent ou métal. Vous avez vendredi, hein, vendredi c'est le jour de l'argent, Kin Yobi. Et ensuite, vous avez Kanemochi. Kanemochi, une personne qui a de l'argent. Mochi, c'est motsu, le verbe avoir avec soi. Et Kané, l'argent, donc une personne qui a de l'argent sur soi, c'est une personne riche. Et vous avez Kinilo. Kinilo pour la couleur or ou la couleur dorée. Ah non! Mais attendez, je suis re en. J'ai pas fait attention. Mais je suis en 720p pour que ça lagouille comme ça? Ah bah ouais, voilà. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis désolée, les gens. Je sais pas pourquoi. On est payé le vendredi au Japon? Je sais pas. Mais c'est le jour de l'argent. Ah, faut que je me renseigne pour ça. Faudrait que j'envoie un message à Twitch par mail. En mode, pourquoi que ce soit en paix? Ah, tu le confonds toujours avec Toki? Bah, tu verras après en voyant les clés, justement, tu ne te confondras plus. Non, non, non! Ce n'est pas un mochi couleur dorée. Non, non, non. Du coup, niveau tracé, on a pas mal de traits ici. Alors, on fait d'abord un toit en deux traits. Ensuite, vous faites un égal qui va être divisé. Deux petits traits. Donc là, c'est comme pour hi. Et vous faites. Vous surlignez le tout. Hop. Ouh là là. Hop, voilà. Alors là, niveau proportion, c'est pas top top. Du coup, voilà, c'est un peu mieux. Ah, c'est à cause de ça, Kawid? Parce que oui, des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas. Ah oui, souligné, pas surligné. Bah Barmok, j'ai déjà essayé de temps en temps de le relancer et ça changeait pas quand même donc. Les profs à la fac sont pointilleux avec les proportions des kanji. Bah en fait le souci c'est quand on s'entraîne, on les écrit en grand. Alors que en réalité, bah moi je vais les écrire petits comme ça, tu vois, et donc ça va pas poser de problème au niveau des proportions de manière générale, hein, tu vois. Ah merde, vous voyez pas. Bon, il est pas beau mon yo, mais quand vous écrivez en petit, vous avez plus trop ce problème de proportion. Les proportions, ça se voit quand vous écrivez en grand. On le voit plus, alors que quand on écrit en petit, en général, on n'a pas trop ce problème. C'est pour ça que quand je vous mets des fiches d'exercice, les carrés sont avec mon logiciel le plus petit possible. Oh, merci, Azum. J'avoue que là, depuis tout à l'heure, je parle, j'ai pas bu une seule fois. D'accord, c'est une question d'horaire. On va lui redonner. Naruhodo. Mais attendez, je vous le refais. Voilà. Ça fera 500 points, s'il te plaît. Hey, kashiko marimashita.
500 points hagemasu yo. Le yo était déshydraté, c'est ça. C'était juste ça. Arigato gozaimasu. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut passer à la suite? Daijoubu desu ka? Dou desu ka? Oui, c'est ça, Ezume. Là, par exemple, si on écrit Kanemochi. Kanemochi. Alors, attendez, hop. Kane. Putain, il est pas beau. Attendez. Je vais écrire en plus petit, comme ça, vous verrez quand même. Kane. Mochi. C'est plus ou moins la même taille. Hein. Les kana et les kanji ont la même taille. Et c'est pas parce que... comment je pourrais dire ça? C'est pas parce que c'est des kanji et qu'il y a beaucoup de traits qui doivent être plus gros. Non. Et c'est pour ça que les japonais utilisent des mines super fines à 0,3 mm que... J'adore. Pour qu'on voie bien, qu'on différencie tous les traits. Ah, le vocabulaire est trop petit. Sumimasen. Mais ça va, Yankitai, du coup, tu fais partie des chanceux qui pourront zoom grâce au PDF. Prends note de faire des gros canards. So. Alors, du coup, le suivant. La terre. La terre. Qui se lit tout seul. Tsuchi. D'accord? Et donc là, pareil, hein, si vous regardez Naruto, Kazekage, Tsushikage, je sais pas moi, Mizukage et tout, vous les avez aussi. Hein, pour les éléments. Sauf que faut faire attention avec la prononciation française. Attendez, faut voir un coup. Heureusement que j'aime les crayons à l'infini, à saut dessiné. Mais moi aussi, c'est ce que je préfère. Du coup, je disais donc, des fois dans la VF, ils disent Tsushi Kage et pas Tsuchi. Tsuchi. C'est un peu compliqué, mais c'est Tsuchi, hein, pas Tsushi ou je sais pas trop quoi. On est sur du 3 traits pour celui-là. Cette terre, genre le sol, pas la terre, la planète. Ah oui, non, c'est le sol. Oui. So. Donc vous avez une croix et la terre hein, donc là je pense que si quelqu'un meurt et ben on va faire une croix dans la terre. Moi je l'avais retenu comme ça à l'époque et c'est assez représentatif normalement. Vous imaginez une tombe et le fait que ce soit la terre et vous le retenez assez facilement. Ah bah voilà, Akayuri, on a les mêmes moyens mémotechniques. Sushi kage. Le kage des sushis, putain. Ah, oh, j'adore. Donc voilà, pour le moyen mnémotechnique, c'est celui que j'ai. Alors, au niveau de du vocabulaire, pardon, je vous ai mis quelques trucs, donc notamment Toti, le territoire, Doboku, et donc là, vous avez la terre et l'arbre pour les travaux, Doboku, et Do-yobi pour samedi. Et donc là, un des mots de vocabulaire que vous connaîtrez, c'est Doboku, en rajoutant l'arbre à côté, Doboku, les travaux. Mot peut utiliser, mais au moins vous le saurez. Désolée, j'avais plus de ko et celui après, celui de l'argent. Oui, c'est ça, c'est celui après celui de l'argent, tout à fait. Ah, Jane, Ezrim, bonne soirée à toi. Ah, so, desene, Saima. Tiku, la planète, la Terre, donc la planète Terre pour ceux qui veulent savoir. Tiku, desene, je vous l'écrire. Je me souviens plus trop des kanji, mais je pense qu'il y avait ça. Et Q, c'est genre comme dans Yaku, il me semble. Genre, un truc comme ça. Je crois. Ah, je vais regarder parce que j'ai un gros doute. Et en plus, j'ai fait un trait de trop. Ah, oh, c'est ça.
tour dessiné. Hop, quelque chose comme ça. Tic-yeux. Tic-yeux. Mais il est pas très beau. La proportion des kanji. J'avais dit... Merde, c'était quoi? Ah oui. Voilà, petit queue. Trop de traits et trop petit. voilà, donc là, retenez Tsuchi et Doyoobi principalement comme mode vocabulaire. Hein. Je viens juste de me dire que je me suis inscrite au cours de chinois à la fac pile quand on commence les kanji. Je dois douiller. Non, tu vas pas douiller, au contraire, tu les verras aussi en chinois, mais ils auront juste une prononciation différente. Hein. Mais pour les kanji simples comme ça, il me semble qu'en chinois, ils ont pas changé, donc... Voilà. La plupart des personnes ici ont quel âge? Je pense que c'est entre 15 et 30 ans, la chaîne. Les gens sur la chaîne, la moyenne. Ouais, entre 20 et 30 ans, je dirais. Mais on a quand même pas mal de jeunes aussi. Hein. Donc ouais, entre 15 et 30 ans, je dirais. Alors, kanji suivant, le 7e. Bon là, pas trop compliqué normalement, on l'a vu tout à l'heure plus ou moins. Quand vous avez deux arbres, ça se prononce hayashi en lecture japonaise, ça veut dire un bois. Et la lecture an, du coup, ça sera lin. Et que l'on verra du coup dans le mot forêt, shin lin. Synonyme de Molly. Autre mode vocabulaire, Takebayashi, une forêt de bambou, un bois de bambou. Pareil, le kanji de Take est du niveau JLPD5, il me semble. Donc, vous aurez à le connaître pour le JLPD5. Oh, merci beaucoup pour le follow. Kaoen the True, comment tu vas? Furoshite kurete arigato gozaimasu sur notre channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Quand je vais aller à l'ophtalmo et qu'il va me demander pourquoi je viens, pour mieux lire les kanji. Naruhodone. Je vais vous les écrire cela vu que c'est des mots à connaître. Donc vous avez juste hayashi. Déjà, hop. Quelque chose de ce style-là, plus ou moins. Deux arbres l'un à côté de l'autre. Et vous avez du coup, je vais changer... La possibilité de rajouter deux kanji devant, donc soit celui de la forêt. Et dans ce cas, on sera sur trois arbres, hein, trois arbres molis. Et dans ce cas, on aura ici... Ah, est-ce que vous allez le voir? Voilà. Shin Lin. Shin Lin. Merci Jojo à renouveler l'abonnement cadeau offert par Mayeu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Je mets des clap 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 dans le chat. Clap 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 pour Jojo. Arigato Jojo. Et du coup... Ah, donc voilà, 06 à 13 ans. Donc non, non, t'inquiète pas, il y a d'autres personnes. Alors, elle n'est pas là, mais Kalameru Shime, elle a, je crois, 13 ans aussi, il me semble. Ne t'inquiète pas, tu as tout à fait ta place parmi nous. Merci encore, Jojo. Trop gentil. Donc voilà, vous avez Shinlin. Et si vous mettez Take, qui est pas très compliqué à tracer... Hop, non. Hop. Avec un petit hané ici. Vous avez Takebayashi. C'est une drôle d'aventure dans laquelle se lance Jojo. Mais ouais, j'avais jamais vu ce message. Renouveler le cadeau fait par Mayu. Ça y va. Naruto! Mais oui, Naruto Kakashi et Sasuke. On prolonge le plaisir. Sans escar. Vous allez m'en donner. Donc voilà, pour Hayashi, si vous savez le kanji d'arbre qu'on apprend aujourd'hui, bah vous savez et celui-là qui veut dire bois et celui de la forêt qui se lit Molly.
c'est pas mal. Vous en savez trois d'un coup, c'est quand même pratique. Moi, je trouve le japonais, des fois, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ah, merde. Attendez, hop, que je sélectionne tout. Pouloup, pouloup. Ah, il veut vraiment pas. Hein. Hop, voilà. Oui, c'est ça, c'est dans le sens d'une petite forêt. Un bois, pas le sens du bois à couper. Un bois, finalement, ce sera qui, hein? Ah bah voilà, Leila San a dit là, exactement la même chose, ce qui approuve mes propos. du coup, kanji suivant, on arrive à la fin, là, au 8e. Le kanji de la montagne, Yama. Voilà, Yama, c'est la montagne. Et il y aura deux lectures spéciales, c'est San, parfois Zan, et Sen. Donc Yama tout seul veut dire la montagne. On est sur du 3 traits. Ici, on commence par celui du milieu. Ah, il veut pas. Celui du milieu. Et on va faire une genre de fourche. Et donc là, au niveau de l'imaginaire, faut vous imaginer hein, des montagnes, tout simplement. Oh, ça va en fait, je connais déjà quelques kanji. Mais oui, ça coûte. Sont dessinés. C'est vrai, Idril, sur ta montre? C'est quoi, pourquoi, c'est quoi comme marque ta montre? Yamaha? C'est Yama de la montagne, Yamaha? De quoi? C'est quoi l'arnaque? Tu reçois une com quand on renouvelle tes abonnements? Ah, du coup, Mayu, pas du tout. Naruhodo, l'arnaque, sonesca. Alors, et les gens, il faut que je pense à aller acheter ma baguette avec le don de Azazel. Faut vraiment que j'aille acheter la baguette. Je vous mettrai en stream, mais en story, mais il faut que j'aille l'acheter ma baguette. Donc voilà, pour Yama, j'ai pas grand chose à vous dire. Et du coup, l'autre mot que j'ai pu vous mettre, c'est Fujisan. Hein. Fujisan, le san de la montagne, le mont Fuji. Yamakashi, l'homme qui grimpe à la montagne facilement. Je sais pas si c'est un jeu de mots ou si c'est vraiment un mot de vocabulaire. Je pense que c'est un jeu de mots. Mais comme j'ai pas la ref, parce que je suis un culte, je ne sais pas. Ah, c'est Fujiyama, Naruhodo. Ah, trop bien, Idril! D'accord. C'était un jeu de mots, je suis désolée, je suis un culte. Vous le savez pourtant, j'ai pas des références Treya, développez-moi. Sumimasen, minasan. Sumimasen. Bon, sinon pour la montagne, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est vraiment assez facile. Imaginez-vous trois montagnes, hop, et puis voilà. Hein. Et puis voilà. On va te culturer, sensei. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Kanji suivant, du coup. Kanji numéro 9. La rivière. Kawa. Kawa. Quand il est tout seul et en lecture on, il se lira Sen. Et donc là, je vous ai mis pas mal de vocabulaire. Pareil, au niveau de l'écriture, on est sur du 3 traits. C'est assez facile. En général, vous imaginez qu'il y a dans la rivière... comment dire, du courant, et que du coup vous avez trois courants d'eau et ça fait une rivière, trois traits. Vous avez aussi la petite rivière qui se lira Kogawa, hein, Kogawa, et après vous avez Amanogawa. Là, ça je le mets souvent parce que le premier kanji, le ciel, Ten, on le verra au GLPT5, donc en général je le mettrai dedans. Amanogawa, la voie lactée, voie lactée. Le deuxième kanji du mont Fuji, oui, et là, alors faut faire attention, c'est pas la terre. Hein. Si c'est ça par rapport à ça, le premier trait est plus grand et c'est différent de ceci. Hein. Tsuchi, la terre, et Ji, du coup, Shi, Ji, celui-là. On va commencer facilement pour rester dans ton domaine. Un petit animé de qualité, Bill Black. Mais non, les gens.
J'en ai parlé tout à l'heure quand j'étais en vocal sur le stream, mais un jour je ferai en live un test de pureté. Parce que je suis vraiment pure. Pure. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Tout à l'heure, j'ai essayé des badges avec de l'eau, des gouttes d'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les modos? Candy, faut faire attention, parce que ça, pour les 18+, ça veut dire autre chose. Alors que le badge, il était trop beau. Alors que je suis juste innocente et pure. Ah, oh, c'est pas possible. Oh tiens, la Voie lactée, la rivière du ciel. Mais oui, c'est ça. Ten, du coup, le ciel. Et Kawa, la rivière du ciel, c'est la Voie lactée. Je ne me sens pas visée. Mais Shania, tu sais que t'es pas la seule. Mayo m'a dit exactement la même chose en vocal, je t'en vois. Mais vous êtes pas possible. Mais il est joli. Ça fait joli. Ah. Je suis triste, moi. Il était joli. Alors, les aubergines, les pêches, oui, mais écoutez, les gouttes d'eau, pour moi, c'était très sain, très pur. Mais non, nous te préservons. T'as lui redonné. Alligatone, alligato. Donc voilà, pour le candy de la rivière, pareil, assez simple, vous retenez trois courants d'eau et c'est une rivière, Kawa, Kawa. Et le dernier, du coup, pour aujourd'hui, c'est la rivière, et à ne pas confondre avec la rivière, évidemment, qui se lira ta ou den en lecture on. Vous avez aussi, du coup, une lecture spéciale ici que je vous ai mis, parce que c'est un mot de vocabulaire qui peut quand même être pratique, surtout quand on vit en campagne, ce qui était jusqu'alors mon cas. Donc, ta, on est sur un début de carré, hein. On est sur un carré qui va être quadrillé comme pour les rizières, hein, là c'est très schématisé. Donc vous commencez par former votre carré et vous ne le fermerez qu'à la fin. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 traits. C'est une sorte de fenêtre. Mais en réalité c'est pour faire référence au plan des rizières. Hein. Et là bah, c'était les chemins. Et là bah, vous avez tous les grains de riz blablabla qu'ils avaient fait. Et c'était des parcelles de riz blablabla blablabla. Et ça nous donne une rizière. Bon bah, ça va être simple cette semaine aussi. Sans dessiner. Les premiers cantiers en général sont assez rapides à maîtriser, les 50 voire 100 premiers. Rentrent sans trop de difficultés, c'est après que les choses se corsent. Surtout à partir des 250. Je vais éviter de faire un par un, je vais juste... voilà. Donc la rizière se lit Ta, et l'un des noms que je vous mets tout le temps en kanji, maintenant vous saurez le lire, c'est Tanaka. Ta, la rizière, et Naka, le milieu. Tanaka-san, Tanaka-san. Tonari no Yamada-kun, desu yo ne, Yamada. Après, pour maintenant, vous savez écrire le prénom. Ah bah voilà, Mayu, il l'a devancé de fou. Après tout, nous sommes sur un stream japonais, donc bon, leur relation à moins 18 est très légère, il me semble. Sans dessiner. Je les connais déjà en fait, faut juste que je révise la lecture. Ah, déjà. Yomikata, ganbatte kudasai ne. Oh, merci beaucoup, Aomine Shinmen, pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Sur notre channel, yokoso. Comment vas-tu? Alors, question habituelle, du coup, comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé cette chaîne? Yamada et Tanaka, ils se valent, hein. Ils se valent, franchement. Apprenons japonais, me faire le test pur T en live. Mais ça serait drôle, non? Je sais pas. Et moi, vous aurez conscience de ma pureté, vraiment, je ne fais rien. Je ne fais rien, mais je suis d'une pureté. Et à chaque fois de rigoler en mode gna gna, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Je vous le prouverai. C'est pas une question de fierté, c'est juste que vous me faites rire. C'est parce que vous êtes impur que moi je suis pas pure, hein. Santo Susan. Ah mon dieu. Toi-même tu sais, ben non mais carrément, c'est le best, Santo-san. Un test de pureté entre moi et le fantôme. Ça pourrait être cool. Il est beaucoup plus impur que moi. Il a fait des trucs que moi j'ai jamais fait.
Mais si il est chaud, moi je suis chaud. Faire un test en même temps. Enfin voilà, du coup on papote, on papote, mais le cours de Candy est fini. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, et du coup la dernière chose, quand même, c'est pour Inaka, hein, lecture très spéciale, qui veut dire la campagne, et à l'opposé de Mati, la ville. Par exemple, dire je vis à la campagne, Inaka ni sunde imasu, ça peut être un mot pratique, et vous comprendrez que les rizières se trouvent en campagne, d'où son apparition dans ce mot de vocabulaire. On veut des détails maintenant. Bah c'est pas des détails de fou, mais... Il m'a dit des trucs que je savais, sans même qu'il me le dise, où j'étais en mode, bah oui, je savais que c'était le cas. Ah, bye bye 06, bye bye. Nous dit-elle avec des oreilles de chat sur le casque. Ben, watashi wa ne, tenchi dakara. Oh! Mais Purdoup, je te snob pas? Oh! Comment... Ah bah tiens, je vais faire extrait de snob, tiens. Oh du coup, il y a des questions sur l'excès, t'es prête psychologiquement à y répondre en public? Bah écoute, oui. Et je tâcherai d'être honnête du coup. Mais en soi, après, c'est... Comment je pourrais expliquer ça? Je suis quelqu'un de très pudique. Et en même temps, je fais partie des gens qui considèrent que ce genre de choses n'a rien à faire en tant que tabou. Et le fait que ce soit tabou me bloque de base, alors que ça ne devrait bloquer personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais partie de ces gens qui ont un dilemme intérieur, qui sont bloqués par la société, qui considèrent que c'est un tabou et qui a énormément de mal à en parler, et qui en même temps considèrent que ça ne devrait pas être un tabou et que ça fait putain de chic ça en soi. Hein. Donc, je suis entre les deux. Putain! Voilà, c'est compliqué. Sensei no wa honto ni tenchi desu ka? Watashi wa honto ni tenchi desu yo? Warui koto wo zenzen shimasen deshita yo. Mais non! Je vois totalement et je comprends parfaitement. Oui, je comprends, on te comprend. Schizophrénie, donc continue! Là et là, ça de psychologue. Non, mais voilà, je pense que vous en avez tous aussi conscience de ça, qu'il y a plein de choses qui sont très tabous et qui font qu'on est tous bloqués d'en parler, alors que ça ne devrait même pas l'être, et que, bon, la société a fait que, et il faut combattre ceci. Mais voilà. J'étais schizophrène, mais depuis, nous allons mieux. Il y a une question de contact, je suis pareil sur les discussions d'argent. Ah, c'est vrai ? Moi, tout ce qui concerne l'argent, ça me dérange pas. Je veux dire, vous me demanderez grâce à tu, je gagne combien. Je dirais, bah, c'est vous qui donnez l'argent, donc il n'y a pas de tabou. L'argent, franchement, je m'en fiche. Dire combien je gagne, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que de toute façon, je montre assez tout le travail que je donne et je considère que c'est mérité. Mais pour tout ce qui est sexualité, ça c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Mais je pense que c'est le cas aussi, et c'est encore plus présent quand on est des filles. En tant que fille, en tant que femme, les hommes ont beaucoup plus de facilité à parler de ça, entre eux, ne serait-ce que ça. Alors que même nous, entre filles, on parle pas trop de ça. Ou alors, à la limite, on peut parler fantasmes, si je puis dire. En mode, ah, ça serait cool ça, telle personne et tout. Mais en général, ça ne va pas plus loin. Donc, Bref, le cours de Candy est en train de dériver. Ceux qui vont voir la rediff, Nani, QQA. Pour les 1500 follow, test de pureté, franchement, il y a moyen. Il hein. Y a moyen. Moi, ça me va. Si ça vous va, moi, ça me va. C'est peut-être tabou entre mecs, mais certainement moins qu'entre filles. Je veux dire, ça dépend des sujets, j'imagine, mais le stéréotype fait que les mecs ont l'air plus décomplexés que d'en parler ouvertement entre eux. Je veux dire, l'exemple typique stéréotypé, c'est que bah, un mec va dire ah bah j'ai couché avec telle meuf, alors qu'une fille aura moins tendance à dire ah bah à sa pote ah j'ai couché avec lui, par exemple. Mais c'est une question de généralité et de stéréotype, hein, là, de ce que je dis. Hein. C'est pas la vérité, hein. C'est un imaginaire
plutôt générale, normalement. Bref, on en fera un live si vous voulez. Il a changé le cours de japonais. Non, mais voilà. C'est parce qu'on parle du test de pureté à cause de ça, mais... Bref. Est-ce que... Bon, ça a l'air d'aller, du coup. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez sur le Discord. Hein, y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Demain, on fait un live d'exercice à 18h30. Pour les PDF, je vous mettrai ça. Je suis en train de les faire, donc vous les aurez demain ou après-demain. Et samedi à 20h, vous avez une activité sur le Discord avec l'application Quizlet en équipe. Très fun, on s'amuse bien. Pour réviser justement les candidats qu'on aura vus cette semaine. Et il aura également lieu mardi à 20h. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous le dis vu qu'on est sur le live de Candy. On continuera cette discussion sur Discord, j'en suis sûre. Sans dessiner. Et il y en a qui l'ont déjà testé et qui, je pense, va vous faire un retour assez positif. Voilà, Nolwenn, par exemple, elle a dit trop bien. Elle l'a testé hier avec nous. C'était franchement très, très cool. Donc, pour tous ceux qui veulent réviser dans la bonne humeur, poser des questions en même temps, profiter de ce moment de 20h à 21h pour réviser les kanji, le mardi et le samedi, c'est fait pour ça, n'hésitez pas. C'est dommage de ne pas en profiter, surtout que je le fais à 20h, comme ça vous avez tous mangé, vous êtes tous libres, et en espérant que bon, il n'y a pas de vie de famille derrière qui empêche, mais voilà, soit. Donc demain, cours à 18h30, et voilà, bon courage pour les kanji. Est-ce que vous avez une recommandation pour le live d'aujourd'hui? Je vais regarder, alors il y a Esdrum, est-ce que Esdrum a été gentil? Est-ce qu'on raid notre cher Esdrum? Est-ce qu'on lui fait level up ses stats? Est-ce qu'il le mérite? Qu'en dites-vous? Alors t'inquiète pas Patricia, je le fais deux jours. Et le samedi et le mardi. Comme ça tout le monde peut venir réviser. Mais c'est quoi Quizlet? C'est une application en fait de cartes, de deck. C'est comme Anki, mais en beaucoup plus pédagogique. Avec des jeux, des sessions apprentissage, des sessions dictées, des tests qui s'autogénèrent et tout. Bonne soirée à tous ceux qui s'en vont, à tous ceux qui vont manger. Bon courage pour les kanji, bon courage pour le japonais. Et vraiment, si vous n'êtes toujours pas sur le Discord, venez sur le Discord. C'est l'endroit idéal pour s'entraider, apprendre, se motiver, etc. etc. Poser des questions, évidemment. Bon appétit tout le monde, bonne soirée. Bon allez, on va raid notre cher Esdrum, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Parce qu'on ne serait-ce que raid une seule fois déjà. Peut-être pas. Pour s'en jaillir, exactement. Bon, sur ce, écoutez les gens, je vous remercie pour ce live. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que tout a été clair. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, bon courage pour l'apprentissage des kanji. Vous êtes en bonne voie. D'après ce que je vois pour les résultats, ça a l'air super encourageant. Donc continuez comme ça. Bonne journée demain. On se voit à 18h30 pour les exercices. Et puis, à plus dans le bus. Je vais finir comme pure noob. À plus dans le bus. Otsukare sama deshita. Bye bye tout le monde. Jane. Bye bye. Thank you.
Thank you.